Dis bonjour. Tu peux te présenter? Je m'appelle Esther. Esther Cantou, blogueuse. La meuf, elle fait sa pub. Blogueuse. Vous vous retrouvez sur estherkantou.com. Je sais pas quoi dire. Avant goût de la sape. C'est ça qu'on aime. Doucement. Hey. Tu marches sous l'eau. Je marche sous l'eau. Tu marches sous les lacs. Je marche sous les lacs. Tu marches sous les eaux douces. Je marche sous les eaux douces. Elle découvre mon iPhone ici. Regardez sa tête. Bon, on y va, on y va, on y va. On y va. Yes, go. Regarde comment tu me caches. Dégage, dégage. Il faut une nouvelle photo de profil. Ok, ça va. Bon. On y va, Esther. T'as pris ta carte mémoire? Oui, elle est dedans. Pour moi, après photo aussi. Ouais. Ok, ça va. My God. Ça va. On y va? Non. J'ai faim en plus, j'ai trop trop faim. Aïe! J'espère qu'ils n'ont pas vu ce que c'était. On va faire des photos. Inception ou quoi? Attends. Bon, si vous voulez savoir, les photos d'Esther, c'est moi qui les ai faites. Non, je décolle. Mais je fais la majorité de tes photos. Non, hein. Pourquoi tu mens? Le soleil, je sais pas où est le soleil pour qu'elle mette ses lunettes, mais bon, on fait avec. Ok. Non, ça donne bien. De près? Attends. Ton top. Elle voulait même pas déposer sa veste à terre. Je pense que la fille elle a cru que sa veste elle était en peau de serpent ou quelque chose comme ça. Esther, tu peux nous indiquer la position du soleil pour avoir ses lunettes là? Où est la position du soleil? Oui, là. Où ça? Là. Moi je vois pas de ça. Ah ouais. Mais elles sont quand même jolies tes lunettes. J'ai les yeux sensibles. T'as les yeux sensibles. Tu prends tes chaussures en photo? Oui. Parce que de loin, on voyait pas les détails de carré. Ah. Pose photographe. On va là-bas. Ça, c'est, je vous montre un peu le métier de blogueur. C'est ça. C'est ça, oui. C'est pas facile, hein. On y va? Ok. Tu sais? Là, on va chez Ikea. Mm-hmm. Esther, donne-moi, je te dis hein, ici, donne-moi un seul mois. Tu n'auras plus jamais à marcher pour aller au Ikea. Je te dis moi-même, Gloria, je vais te ramener en voiture. Uh-huh. Oui. Marley est malade. Marley. Elle est malade. Voilà, elle a eu des petits os cassés par-ci, par-là. Donc, on va essayer de réparer ça. Mais voilà quoi. Donc d'ici, j'ai dit combien? Un mois, hein? Un mois. Un mois, si tu vas aller au Ikea, faut m'appeler. Tu m'appelles. Vous avez entendu? Oui. Vous avez entendu? Ils sont témoins. Je dis dans un mois, il n'y a rien. Je sais pas ce que je veux faire, je vais faire un truc. Ok. Je refuse toute sorcellerie dans ma vie. Okay. Ça devient un peu bizarre comme ça, non? En fait, le seul souci avec le fait de vlogger, ça, c'est que ça fait un peu narcissique comme ça. Genre la meuf, elle se fume, elle se prend pour qui, tu vois? Même si j'ai mal au bras, on est là. On est presque arrivé. Je sais pas si vous voyez, de toute la jaune et bleue. On est là d'ici 5 minutes, je pense. C'est quand même marrant comme moi, ils bougent, elle me fait peur. Ouais, mais c'est genre, ils savent qu'elle est pas aussi beaucoup, donc ouais. C'est compliqué. Tu n'as pas honte? T'es sérieuse? J'ai besoin de ça pour ma chambre. T'es sérieuse? T'es sérieuse, Gloria? Gloria, t'es sérieuse? Elle est sérieuse. Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Sérieuse. Elle est sérieuse. J'aurais besoin pour ma chambre, sur les crayons, ils vont me mettre ensemble dedans, il y a beaucoup là-bas en stock. Elle est sérieuse.
blindée là-bas. Gloria, il faut cesser, Gloria. Gloria, il faut cesser. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Il faut cesser, Gloria. Gloria, Gloria. Juste un. On a une petite chambre. C'est trop, trop beau. Bon, les papayas, on va prophétiser. C'est quoi le signe de prophétisation? C'est ça. Tu mets deux doigts devant ce que tu veux. Regarde, par exemple, on va un exemple. Vas-y, tourne. Ok, par exemple, tu veux quoi? Par exemple, on va dire que tu veux... Je veux la plante. La plante? Ok, regardez okay. Alors. Donc, si vous voulez la plante... Vous avez deux doigts. Deux doigts. Et vous prophétisez dessus. J'en ai pas. Donc c'est ce qu'on fait à chaque fois en fait. Quand on veut quelque chose, on se dit que c'est pas impossible de l'avoir et on prophétise dessus. Par exemple, ce miroir là, j'aime vraiment beaucoup. Je prophétise. Je prophétise. La main se casse là. Je prophétise. Ah, regarde. Ça c'est bizarre. Attends. Une mise en abîme comme on dit. Mmh. Oh, ta grosse tête. Tu veux acheter quoi ici? Je sais vraiment pas en fait. J'aime beaucoup le tapis là-bas. Oh, non, ça c'est mon truc. Ça c'est vraiment mon type de... Trop beau. C'est trop trop beau. C'est trop beau. Donc, notre moment préféré, en fait. Alors moi j'ai pas acheté grand chose, j'ai juste acheté une plante et un petit sorte de petit machin comme ça. Esther elle a acheté tout un tapis. Elle respecte rien cette meuf. Je sais pas comment elle va faire pour rentrer dans le métro, ça va être chaud mais... J'ai la foi. Voilà quoi, moi je suis vraiment fière de moi, j'ai rien acheté. Elle a acheté une plante. Ouais juste ça quoi. Il y a un coucher de soleil magnifique. Esther, attends-moi, saluté. Regardez Esther et son tapis là. On dirait une porteuse professionnelle. Elle est née pour ça. C'est ça. On n'a pas beaucoup vlogué, mais c'est déjà ça. On a mangé. On a été chez Ikea. Il y a des gens qui ont acheté des choses surdimensionnées. Il y a des gens qui ont acheté des choses petit. Change beaucoup, hein. Je suis à la maison, je suis en peignoir, j'ai même pas eu le temps de me déshabiller ni quoi que ce soit. Je me lance directement au boulot en fait. Là je suis en train de travailler en fait sur un petit projet, un mini projet, mais ça me prend beaucoup de temps. J'ai des petits soucis informatiques et machin, mais ça va aller. Je suis pas pressée, je suis assez patiente, donc ça va aller. J'essaye d'avancer là-dessus si possible. Mais ça avance très très lentement. Je mange du chocolat chez Ikea. Ah. C'est pas mal d'ailleurs, ça va. C'est du chocolat. Bon allez, je vais vous laisser parce que là je vais travailler pendant des heures et des heures. J'espère que vous avez bien pris plaisir à regarder ce petit vlog de quelques minutes. J'ai essayé, ok. Prochainement, il y aura des choses beaucoup plus intéressantes. Promis, ok. Là en ce moment c'est très calme parce que je suis occupée avec beaucoup de projets, etc. Donc c'est assez compliqué pour moi de sortir de chez moi. Hein, donc là j'ai eu une petite occasion, donc je me suis dit pourquoi pas aller, je vais leur montrer une petite journée à moi, mais promis, quand il y aura des choses beaucoup plus importantes, intéressantes à regarder, je filmerai ça. Il y a une journée qui arrive bientôt, donc... Mais